Jean-Noël Guérini face aux gendarmes, c'était ce matin. Le président du Conseil général a été entendu sur deux dossiers comme témoin assisté. D'une part, sur les conditions d'emploi et de rémunération de Jean-Baptiste Squarcini, le fils de Bernard Squarcini, le patron des services de renseignement français. D'autre part, sur le poste qu'occupait au Conseil général Jean-David Ciotte, l'actuel premier secrétaire fédéral du PS13. Le juge d'instruction soupçonne un emploi fictif. On écoute Jean-Noël Guérini au sortir de son audition. J'ai été entendu par les gendarmes en qualité de témoin sur des points de détail liés au contrat de travail de Jean-David Ciotte à mon cabinet, ainsi que de Jean-Baptiste Squarcini à 13D. J'ai fait les déclarations. Je remercie les gendarmes qui m'ont très bien reçu. J'ai répondu à toutes leurs questions, je n'ai rien à cacher. L'entretien s'est très très bien passé.